Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça a bien été à Vegas? Oui, un petit peu fatigué. Ouais. Sorti de l'avion lundi matin, quelques heures à peine avant le tournage de Sport Express. Mais bien on est réveillé. Oui, oui, pas mal de plaisir. Ouais. Bien l'agrément. Ce qui est à Vegas reste à Vegas? Non, non. Je peux te dire que ce que j'ai. Non, aucun problème. Je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Il n'y a pas eu de problématiques sur ce côté-là. Je suis pas inquiet. Je dois t'avouer que c'était une belle ville, mais pour y avoir été à quelques occasions, il y a de plus belles villes que ça en Amérique du Nord, je vais t'avouer. Pour les gens qui ne sont jamais allés, attendez-vous pas à grand chemin. C'est une strip. Ouais. Ah. Est-ce que la météo était plus clémente? Oui, ouais, définitivement. Je peux te dire que... Mais tu sais, as-tu déjà été à Las Vegas? Jamais. OK. Las Vegas, à part le mois de décembre et janvier, où il fait un petit peu plus froid, puis on peut parler de 5, 6, 7 degrés, le reste du temps, il fait chaud. Tu sais, dis-toi une chose, le Nevada à l'époque... C'est dans le désert, hein? Ben, c'est en plein milieu du désert. Ouais. On a construit une ville pour, dans le fond, pour l'évasion fiscale et tout le tralala, pour le jeu et tout ça. Mais tu sais, c'est pas censé d'avoir de ville en plein milieu de là. Non. Tout est... Tu sais, quand vous voyez un lac en plein milieu de Las Vegas, là, c'est un lac artificiel. Je vous le dis tout de suite, là, il n'y a rien de naturel là-bas. Mais quoi qu'il en soit, François, je vais faire une aparté là-dessus, 30 secondes. On ne parlera pas de hockey non plus parce que c'est trop intemporel. Je te dirais, séries éliminatoires de la Coupe Stanley, l'autre fois, on en a parlé et puis, ça s'est terminé en 4. Alors là, on n'ose pas trop en parler. On va se garder une petite gêne. Mais une chose qui est sûre, François, pour que le sport puisse éclore un peu dans le Haut-Richelieu, ça prendrait peut-être un peu de coopération, de dame nature, parce que là, c'est incroyable. Écoute, Alex, on va parler de golf justement aujourd'hui avec Jason Morin du club de golf Les Légendes. Plusieurs terrains de golf ont ouvert leurs portes en retard comparé aux autres années. Mais présentement, à l'heure où on se parle, la plupart des terrains de golf de la Montérégie sont ouverts. Puis j'aimerais parler un petit peu, Alexandre, rapidement, le club de golf de Saint-Césaire. Tu te rappelles qu'il a passé au feu l'année passée. Bien, ils ont quand même ouvert leurs portes. On a construit une tente temporaire avec une boutique temporaire, de la bouffe. Le service est là pour les golfeurs à Saint-Césaire. Puis j'en suis bien content d'en parler. L'autre chose également, on va parler tantôt avec Caroline Morin-Houd, qui est une sprinteuse. Oui. Donc, elle se doit également, du moins lorsque le printemps arrive, pouvoir courir à l'extérieur. Mais on parlait des courses gourmandes. J'ai mis, mis mon chandail. Salutations à Frédéric Houd. Ça également, ça a commencé. Mais sérieux, là, c'est un printemps tout croche. Je vais t'avouer, c'est la poursuite de l'hiver. Comment allons-nous appréhender l'été, Alexandre? Moi, s'il peut faire chaud, le reste, je m'en contrebalance. Golf, baseball, piscine. Oui, ça, c'est pas mal famille, ça serait pas mal le summum. Puis au niveau des érablières, est-ce que tu sais si ça va relativement bien? Écoute, on est présentement, on a envoyé tous nos sondages à Tourisme Montérégie pour savoir comment ça a été. On sait que ça a commencé extrêmement en retard. C'est vrai. Je pense que ça s'est très bien terminé. Je l'espère, en tout cas, parce que c'est des gens qui travaillent dur, puis c'est leur gros temps de l'année. C'est comme Bien, c'est ça, c'est comme s'ils commençaient à geler début septembre. Ce serait pas bon pour les pommes non plus. Donc, vraiment on peut comprendre que pour les gens de la région, là, c'est pas évident. Puis dans le Haut-Richelieu, c'est une plaque tournante. Les sucres, mon cher. François, deux beaux invités cette semaine, deux belles histoires, deux beaux succès également. Oui. On parle de golf avec Jason Morin, on parle de course avec Caroline Morin-Houd. Oui, ça va être toute une émission, Alexandre. Jason va nous parler de l'ouverture du golf et légende, parler un petit peu comment on entretient le terrain. Oui. Le nombre de balles qu'on retrouve aussi, je ne sais pas combien tu en mets à l'eau quand tu joues au 17e aux légendes. J'en mets quelques-unes, oui. Bon, Jason va nous parler du nombre de balles qu'on retrouve au 17e. J'ai hâte d'entendre ça. Et également avec Caroline Morin-Houd, tu sais que la saison des études se termine. Oui. Elle qui étudie en sciences naturelles au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plein de portes qui vont s'ouvrir à elle, mais ce qui est intéressant avec Caroline Morin-Houd, c'est que lorsqu'on parle d'une belle jeunesse, je pense qu'on aura un beau témoignage d'une jeune femme qui réussit bien dans le sport, mais avant tout qui réussit bien dans les études. J'ai pas vu l'entrevue, mais je peux dire quelle belle jeune femme dynamique. Oui, exactement. Alors, sérieusement, si mes filles peuvent être comme Caroline Morin-Houd à 19-20 ans, je vais être un homme extrêmement fier de mes enfants. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, on s'entretient avec Jason Morin. Lorsque le mois de mai arrive, c'est le temps de parler golf et c'est rendu une tradition de le recevoir à Sport Express. Le propriétaire du club de golf Les Légendes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc, Jason Morin est avec nous. Salut Jason! Salut François! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Jason, avant de commencer l'entrevue, on va mettre deux choses au clair. On a vu cette semaine, aujourd'hui, on tourne le lundi, qu'il y a un ours qui a été capturé à Saint-Jean-sur-Richelieu et on parlait que ça venait peut-être du coin des légendes. Ma première question, est-ce qu'il y a des ours sur le golf et légendes?
Non, c'était vraiment quelque chose de spécial ce matin. Là. Même nous-mêmes, là, la direction, dans le fond, les gens qui étaient au club de golf ce matin là, étaient très peu au courant de la nouvelle. On l'a tout su par soit les clients qui rentraient, dans le fond, ou les gens qui nous appelaient tout simplement. Là. Ouais. Mais non, on n'a vraiment pas d'ours au club de golf. On a déjà vu un orignal, qui est peut-être une autre chose un petit peu spéciale, là, mais... C'est vraiment quelque chose qui arrive très, très peu souvent. C'est là. La première fois qu'on voyait ça à Saint-Jean. Ah oui, sans doute. Donc, les gens sont rassurés, il n'y a pas d'ours. Deuxième chose pour rassurer les gens, Jason, est-ce qu'il y a toujours 18 trous au Club de golf et légende? Oui, effectivement, il y a toujours 18 trous au Club de golf et légende. C'est une bonne nouvelle, parce qu'écoute, ça aussi, il y a toujours des rumeurs dans l'air. Oui, il y a toujours des rumeurs, mais rien de confirmé dans ce sens-là. Donc, on est toujours à 18 trous, toujours le même parcours, dans le fond. Là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, là, en fait, d'entreprise chez nous. Là. Jason, parlons-en un petit peu du parcours du Golf et Légendes. L'émission est diffusée partout sur la rive sud de Montréal, donc plusieurs personnes, Longueuil, les environs, ne sont peut-être pas allés jouer au Golf et Légendes, même les gens de Saint-Jean, sur Richelieu et région. À quoi ressemble le club de Golf et Légendes pour quelqu'un qui va le visiter pour la première fois cette année? C'est un parcours de 18 trous, évidemment. Dans le fond, probablement adapté pour le golfeur moyen, mais quand même, qui t'amène quand même un très bon challenge, dans le sens, là, qui a beaucoup d'obstacles d'eau, quand même des trappes de sable qui sont bien disposées sur le parcours. Généralement, le commentaire général des gens là, qui passent en fait clientèle chez moi, c'est surtout le rapport qualité-prix, dans le fond, qui est très, très, très intéressant là, pour le client. Je me rappelle, Jason, il y a plusieurs années, on entendait souvent parler Club de golf et légende, on a le Club de golf de Saint-Jean, mais je pense que vous avez travaillé fort sur votre terrain parce qu'il est en excellente condition. Oui, depuis quelques années, on a fait l'amélioration des fameuses toiles au niveau des verres. Okay. Ce qui nous donne vraiment là, l'opportunité de travailler sur autre chose en début de saison. Parce que comme les gens qui connaissent un petit peu ça, là, quand on enlève les toiles lorsque c'est bien fait, les verres sont pratiquement impeccables. C'est pratiquement comme en été. Donc, pour les gens qui travaillent sur le parcours à temps plein, l'éventualité de ne pas avoir à mettre du temps sur les verres, soit capable d'améliorer, dans le fond, là, un paquet d'autres aspects du parcours. Là, la saison 2014 vient d'être lancée. Ça ressemble à quoi à comparer aux autres années au niveau de la date d'ouverture? Est-ce que c'est pas mal identique? Vraiment pas. Je vous dirais que cette année, là, vu la météo qui a été terrible, on a parti la saison, probablement notre saison la plus tardive. Okay. Si on recule il y a 2 ans, j'avais ouvert le 23 mars. Ce qui n'est vraiment pas le cas de cette année, vu la glace et la fameuse neige qui a été... Là, longtemps. Ouais. Pour la première fois cette année, on a été obligé de souffler les verres pour enlever vraiment cette fameuse couche de neige-là, pour avoir accès à enlever les toiles, pour ne pas brûler ce qui est en dessous. Donc, le travail des gens sur le terrain, tes employés, c'est primordial là, dans une ouverture de terrain comme ça? Oui, définitivement. Puis nous, dans le fond, avec mon père, puis l'historique de mon père, on a tout le temps gardé, en fait, les mêmes gens qui sont là. C'est des gens, franchement, là, qui se donnent à tous les printemps. Le surintendant Jocelyn Bédard fait un job exceptionnel en début de saison. Vraiment, là, encore cette année, avec les conditions météo qui ont été vraiment terribles, là, il a fait un boulot exceptionnel. Est-ce qu'on a pu le voir, Jason, t'en parles, ça a ouvert un petit peu plus tard cette année, la météo est capricieuse. Est-ce que quand même les golfeurs étaient au rendez-vous pour l'ouverture? Est-ce que les gens avaient hâte d'aller jouer au golf? Oui, les gens sont au rendez-vous. Encore là, je risque à me répéter, c'est la météo qui ne l'est pas. Aussitôt qu'on pognait une belle journée, là, moindrement ensoleillée, puis c'était vraiment, on va dire, jouable. Je peux dire que le téléphone sonnait, j'avais beaucoup de clients qui arrivaient, dans le fond, bien contents de commencer leur saison. Si on parle un petit peu de l'historique du Club de golf et légendes, ça fait combien de temps? Est-ce que ça avait été créé par ton père, ce club-là? Originalement, oui. Dans le fond, mon père avait acheté un 9-trous à Saint-Luc au départ. Le premier 9 était déjà bâti tel qu'il est là aujourd'hui ou à peu près. C'est le premier 9 qu'on retrouve sur le golf et légendes présentement? Oui, grosso modo. Puis mon père a construit vraiment, dans le fond, le deuxième 9 ainsi que le chalet. Dans le fond, ça, c'est vraiment son œuvre à lui. Puis ça fait 36 ans, dans le fond, en fait, qu'on est ouvert maintenant, là, à 18 trous. Est-ce qu'on peut dire que Jason Morin est presque né sur un terrain de golf? Oui, probablement, là. Même, je suis en fait réel, je suis né dans un stationnement. Un terrain de golf à Val-Morin. Oui, mon père, à l'époque, était professionnel en titre, dans le fond. À l'époque, mon père avait une roulotte stationnée dans le stationnement du club de golf de Val-Morin. Puis, évidemment, ma mère, elle a accouché à Sainte-Agathe, là.
Mais ça a commencé dans le stationnement du club de, club de golf. Pratiquement pour de vrai, oui. Jason, tu as fait plusieurs compétitions au Québec, tu as eu des belles performances. Est-ce que 2014 va être une année où tu vas avoir le temps de faire de la compétition au golf? Pas autant que je voudrais, je dirais. Ouais. Probablement que je vais essayer de jouer quelques événements. Okay. On va essayer de se tenir au courant dans ce sens-là. Ouais. Je verrai, là, c'est sûr que pour moi, le printemps, c'est plus difficile, là. J'ai un paquet de choses qui débloquent en même temps de mon côté. Parce que le golf n'est pas ta seule entreprise. non, je me suis parti d'autre chose, ouais. Dans le fond, depuis quelques années, qui va très bien. Ça nécessite du temps, donc plus ça, plus comblé avec la gestion du club de golf que je suis en train de reprendre tranquillement, pas vite, ouais. Avec mon père, donc... Là, le printemps, pour moi, est très rocambolesque, si on peut dire. Est-ce que ton père, Jean Morin, a encore la chance de faire quelques compétitions au Québec? Parce que lui aussi est un excellent golfeur professionnel. Oui, il en joue toujours. Il aime toujours l'aspect compétitif du jeu. Dans le fond, il va jouer probablement une dizaine d'événements cet okay, été. Quand même, hein? Probablement, là. Encore là, les cédules de l'AGP au niveau du Québec ne sont pas sorties encore, donc on ne sait pas trop là, où est-ce qu'on va se diriger. Oui, on va dire que c'est un petit ouais. peu dernière minute, là, ouais. Mais on n'a rien d'officieux encore là, dans ce sens-là. Là. Parlons un petit peu du club de golf Les Légendes. Pourquoi ça s'appelle Les Légendes? Originalement, en fait, c'était l'idée de reproduire, en fait, quelques trous qui étaient de type légendaire, si on peut dire, okay. Comme notre fameuse île, le 17e, ouais. Qui a été repris du TPC Sawgrass qu'on va voir cette semaine, en fait, ouais, parce ouais. que c'est le Players Championship ouais. cette semaine. Donc, vous allez avoir la chance de voir à la télé l'original du 17e. Évidemment, on l'a copié là, ouais. jusqu'à une certaine mesure, parce que refaire exactement la même île, probablement que j'aurais beaucoup plus de balles dans le lac que d'eau. Donc, combien tu peux en trouver des balles dans ce lac-là, Jason? T'as-tu un chiffre? Je dirais à peu près en moyenne 20 000 par année. Eh! Donc, tu sais, c'est un trou qui est vraiment intéressant pour les gens. Ils vont vraiment essayer de se reprendre. Souvent, c'est une à l'eau, deux à l'eau, ouais, trois à l'eau. Puis rendu à trois, bien là, c'est l'orgueil qui embarque pour en faire frapper un trois autres. Puis là, après, ils vont aller sur le drop zone puis ils vont en mettre un autre à l'eau. Ça peut arriver, oui. Donc, ça, c'est une compagnie, j'imagine, qui vient récupérer ces balles-là ou c'est tes employés à toi? Non, c'est une compagnie, okay. dans le fond, qu'on engage à contrat. Okay. Puis cette entreprise-là, dans le fond, fait tous nos lacs, en fait, et rigole, là, ou ce qu'il peut avoir, dans le fond, là, des bonnes quantités de balles, évidemment. D'après moi, vous devez être dans les trous payants au Québec avec le 17e. Sûrement, oui. Jason, en terminant, il nous reste une minute. Tu viens juste de refaire ton tout nouveau site web du Golf et Légendes. Oui. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir sur ce site-là? Première des choses, on a fait une mise à jour, dans le fond, en fait, de look. Là, on l'a ouais. relooké complètement. Rajeuni. Rajeuni le tout, oui. Puis là, cette année, dans le fond, en fait, de promotion Internet, je fais une promotion, en fait, là, à tous les mois. Donc, okay. Mensuellement, en fait, on va mettre une nouvelle promotion sur le site web seulement. Puis les gens, dans le fond, peuvent profiter, dans le fond, de cet avantage-là par le site web, ouais. Donc, Jason, on invite les gens à visiter votre site au www.golflélégendes.com pour avoir tous les détails, l'historique du club de golf Les Légendes, les prix, les tarifs. Je vous le dis, allez les voir, les prix. Vous n'êtes pas super cher, hein? Non, on va se le donner, là. Non, on essaye de se ramasser dans un prix vraiment compétitif, que rapport qualité-prix, on va essayer de se démarquer dans le marché en 2014. Bon, on invite les gens à aller fouler les allées du golf Les Légendes cet été. Merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Merci, François. Vous savez, à Sport Express, on parle souvent de conciliation sport avec les études et souvent les jeunes ont tendance à penser que ça ne se marie pas réellement. Mais on a un bel exemple qui vient nous rencontrer aujourd'hui. Elle est venue nous voir l'an dernier également. Caroline Morin-Aude est avec nous. Salut Caroline. Bonjour. Caroline, d'abord, depuis que tu es venue nous voir l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé de bon pour toi dans les 12 derniers mois? En fait, j'ai terminé la saison 2012 de bon train. J'ai effectué le standard aux 200 mètres pour aller aux Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en
en septembre dernier. Ouais, cependant, j'ai été blessée et j'ai eu une fracture de stress au niveau du scaphoïde gauche. Okay. Donc, ça a beaucoup, beaucoup ralenti mon... ton cheminement, en fait, ton évolution et tout ça, oui. C'est ça, ça a été des longs mois de réhabilitation, d'aquajogging à la piscine municipale, de réapprendre à courir, de reprendre la force perdue. Donc, c'était très, très, très difficile. Mais cependant, j'ai repris pied et j'ai réussi à faire l'équipe du Québec aux Jeux du Canada qui se sont déroulés en mois d'août dernier. Mm-hmm. Et on a remporté la médaille d'or au relais 4x100 mètres et on a battu le record québécois. Puis on était à ça de battre le record des Jeux. Donc, j'étais très, très, très satisfaite. Puis j'étais arrivée cinquième au 100 mètres. Ah, mais c'est bien aussi. Donc, je veux que tu me parles plus au niveau personnel, Caroline, parce que tu as toujours bien réussi, soit à l'école, dans les sports également. Oui. Est-ce que c'était le premier gros obstacle que tu avais à traverser sur cette fracture de stress-là? Oui, ça a été vraiment la première blessure grave que j'ai eue. Et comment? Est-ce que tu as découvert des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais pensé, de la façon que tu as réagi, de la façon que tu as... Oui, je dois dire qu'on n'a pas le choix d'aller de l'avant. Mm-hmm. Mais surtout, je pense que la force de caractère que j'ai développée puis la volonté de faire une autre équipe nationale, ça m'a vraiment poussée à faire les entraînements parce que je m'entraînais seule. Okay. J'avais une botte de marche. C'était pas évident. Ensuite, qu'on a plus la botte, on a mal aux pieds. Juste, mm-hmm. juste marcher, ça me faisait mal. Ouais. Et mentalement, c'est extrêmement difficile. Mais je me suis dit, si on croit en nos propres capacités, on est capable d'aller de l'avant. Sinon, on sera pas capable. Exact. Et jamais j'aurais cru être capable de refaire des bons temps avec tout ce que j'ai eu à subir. Mais c'est surtout, tu te retrouves tout seul et tu dois trouver toute la force nécessaire que tu peux retrouver ailleurs. Mm-hmm. L'appui de mes parents, ça m'a beaucoup aidé, ma famille, mon entraîneur, mais on est seul. Donc, c'est nous-mêmes qui prenons la décision d'aller de l'avant ou de dire « c'est trop pour moi ». Je veux que tu me parles parce que, tu sais, on parle souvent de conciliation et travail-études. Dans ton cas, à toi, c'est sport et études. Puis en ce moment, c'est le fun pour toi, c'est valorisant parce que d'abord, tu termines ton cégep ici au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu étudies en… Sciences de la nature. Sciences de la nature. Donc ça se termine. Oui. Et là, les universités te convoient, tu es un peu partout au Québec. Mm-hmm. Et c'est la saison également des galas. Il y a demain, jeudi, le gala de la Fondation Claude Raymond, dans lequel tu vas recevoir une bourse. Bravo. Merci. Et hier, mercredi, c'était le gala de la FIDA. L'an dernier, on a reçu Jocelyn Dumont. Mm-hmm. Beau gala cette année avec Éric Lapointe. Il y a eu Jean-Luc Brassard également. Mm-hmm. Donc, ça doit être valorisant pour toi de voir tous les efforts que tu as faits. Puis là, on voit ça concrétisé présentement. Oui, je dois dire que c'est une très, très, très belle soirée, la soirée FIDA, parce que non seulement on a la chance de rencontrer des athlètes extraordinaires qui ont des parcours assez impressionnants, mais également de rencontrer les personnes qui sont commanditaires parce qu'on s'assoit à une table différente à chaque année. Et c'est vraiment le fun de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir leur dire bien, merci beaucoup de croire en nous. Puis en fait, qu'est-ce que la grande force de FIDA, c'est que tu as le site LinkedIn dans lequel on peut mettre tous nos résultats tant académiques que sportifs. Et nos commanditaires, ils sont capables de nous suivre. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette relation-là que je trouve essentielle dans la carrière d'un athlète. Et on n'aimera pas de nom, mais on l'a dit l'an dernier, puis tu peux en témoigner également. Il faut avoir des bonnes notes scolaires également, parce que je connais des athlètes de haut niveau, médaillés d'or olympique, mais qui n'ont jamais été suivis par la FIDA, justement, à cause de leurs notes académiques. Donc, c'est assez strict là-dessus. Oui. C'est l'académie d'abord, les résultats académiques d'abord. Oui, et en plus de ça, il faut s'impliquer au niveau social. Et j'étais contente de participer au projet d'animer le concours Cégep en spectacle. Oui. Non seulement tu devais animer, mais écrire tous les numéros et de partir d'une page blanche jusqu'à un concept. Donc ça a été un beau défi que je me suis lancée et je trouve ça important de redonner au prochain puis de s'impliquer dans divers projets autres que sportifs. Exact. Et c'est ce que valorise FIDA, ce que je trouve ça très intéressant. Au niveau sportif maintenant, il y a une grosse compétition qui s'en vient au mois de juin prochain. C'est les championnats canadiens. Ça va avoir lieu à Moncton. Oui. Comment va la préparation, Caroline? Ça va bien. C'est certain que c'est plus difficile avec l'école parce que j'étais en fin de session. La saison dernière, c'était les derniers moments pour avoir les meilleurs résultats scolaires parce qu'en sens de la santé, ça joue sur des dixièmes de points. C'est vrai. Il y a des gens qui vont reconnaître ça. c'est très difficile, mais je fais du mieux que je peux, mais je termine bientôt, donc ça va rouler, je peux dire, au mois de juin. Et là, tu reviens également d'un autre périple. Tu es allée à Saint-Kitts, ça, c'est dans les Caraïbes, pour la Fondation Bruny-Surin. Oui, j'ai été chanceuse d'être sélectionnée parmi tous les athlètes pour avoir une bourse
une des 10 bourses complètes qui défrayait tous les coûts de ce camp d'entraînement-là. C'était avec, il y avait aussi un entraîneur, Rudolph, qui était là et c'était vraiment une belle expérience pour nous en tant qu'athlète, mais surtout au niveau psychologique parce que Bruny Surin, on assistait à une conférence sur la motivation et Bruny Surin, il a vécu des épreuves assez difficiles, notamment aux Olympiques. Et il nous a dit, écoutez, la carrière, c'est long, il faut toujours aller de l'avant. Puis surtout, une chose qui m'a vraiment frappée, c'est quand il nous a dit, il y a beaucoup de gens qui nous disent non. Non, tu ne seras pas capable. Non, tu seras pas capable d'être champion olympique. Il dit non, moi, je vais y aller puis je vais être capable. Puis c'est de prendre les opportunités qui nous offrent, qui s'offrent à nous et de les exploiter au maximum. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire dans ma propre vie. Et c'est certain que ça a été très stimulant d'être dans la chaleur pour pouvoir reprendre l'entraînement. Ouais. Donc, ça a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui peut parler de dépassement, c'est bien lui, parce que médaillé d'or olympique 4 x 100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta. Devant l'équipe américaine, d'ailleurs. Non, honnêtement, ils étaient forts, mais ils avaient causé la surprise aussi. Donc, au niveau détermination, Bruny peut nous en dire pas mal. Oui, donc ça a été très formateur pour ça. Toi, les choix des universités, Caroline, s'ouvrent à toi présentement. Est-ce que tu sais dans quelle direction? Parce qu'on ne se croit pas de cachette, là, les grandes universités du Québec, Sherbrooke, Laval, Montréal, aimeraient bien avoir Caroline Morin-Haut dans leur faculté. Oui. Tu n'as pas pris de décision encore? On n'aura pas de scoop à Sport Express ce soir, mais... Non, c'est secret. Non, mais sérieusement, je dois dire que c'est certain que j'ai visité les différentes universités. Chacun a son point fort. Il y a des très beaux programmes offerts dans les deux cas, mais c'est vraiment la carrière professionnelle qui va décider dans quelle université je vais aller. Mais je serais très heureuse d'aller dans chacune des universités, donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le message qu'il faut lancer aux jeunes aussi, de se fixer des buts. Si, admettons, par exemple, les temps se mettent à défiler et que, un jour, on se ramasse aux Jeux olympiques, c'est bien. Mais en même temps, il faut garder en tête que ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Donc, il faut regarder également au niveau de notre carrière aussi. Ah oui, je suis extrêmement en accord avec vous parce que c'est certain que le sport, ça m'a ouvert beaucoup ça m'a ouvert la porte à beaucoup, beaucoup d'opportunités. Ouais. J'ai rencontré des gens importants, j'ai rencontré des gens qui ont fait une différence dans ma vie. J'ai vécu des expériences inimaginables, un dépassement de soi que jamais j'aurais pu faire si j'avais juste étudié. Ouais. Cependant, il faut être réaliste, en athlétisme, c'est pas comme le hockey. On peut pas gagner notre vie de ce sport. C'est vrai. Mais les expériences dans lesquelles j'ai pu apprendre, je vais pouvoir transférer toutes les connaissances et toutes les qualités que j'ai pu développer en sport dans ma carrière professionnelle. Et c'est ça que j'ai l'intention de faire et de donner au suivant, en fait. Ça, c'est mes projets pour le futur. C'est bien. Puis en terminant, bien, ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'aller au Jeu de la francophonie parce qu'à cause de ta blessure, tu les as manqués il y a 3 ans. Donc là, on aimerait peut-être pouvoir y participer. Oui, c'est certain qu'ayant fait le standard, je suis certaine que je suis très optimiste que mes temps vont s'améliorer dans les années futures. Donc, j'ai pour objectif de pouvoir faire partie de l'équipe québécoise, sinon canadienne, si j'ai l'opportunité au prochain Jeu de la francophonie. Ça. Donc, ça serait un bel objectif de carrière. En tout cas, Caroline, merci beaucoup. Beau parcours, bel exemple, persévérance, de bonnes notes scolaires puis de réussir dans le sport. La meilleure des chances pour toi dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, on parle toujours de NASCAR. Mais oui. Avant de parler de NASCAR, François, durant l'entrevue avec Caroline, on n'a pas oublié de parler sur ce qu'on avait depuis le temps à la fin. Oui. Tellement intéressant. Elle va travailler pour l'Alliance Sport-Études cet été au mois de juin pour les journées à bénéfice golf. Aider à la préparation, en fait, François, et son objectif personnel à Caroline, c'est le sentiment d'appartenance de l'Alliance Sport-Études pour les athlètes qui pratiquent un sport individuel. Parce que c'est vrai que quand tu fais un sport d'équipe, c'est facile d'être épaulé par quelqu'un d'autre, mais quand tu fais un sport individuel, c'est facile d'être épaulé soi-même aussi. C'est vrai, et elle peut nous en parler. Ouais. Je trouve ça bien. Nous, dans la vente automobile, on parle du cap, caractéristiques, avantages, bénéfices, ce que c'est, ce que ça fait, ce que ça donne. Elle, c'est la même chose. Ce qu'elle va faire et ce qu'elle va pouvoir en retirer également. Je trouve ça très, très bien. François, pendant qu'on se parle là, tu viens de recevoir un message texte de notre invité de la semaine dernière, Dali Sans Chagrin. Un autre bel événement pour le soccer cette semaine. Notre spécialiste de soccer, Alexandre, vient de m'envoyer présentement de lundi cette semaine jusqu'à vendredi. 140 jeunes Québécois ont la chance d'assister au premier camp offert par la Barca. La Barça, de Barcelone. Ouais, exact. Les coachs qui proviennent directement de Barcelone, Alexandre, sont au complexe Bell du quartier 10-30 pour enseigner la méthode barcelonaise, leader mondial depuis des années en soccer. Donc,
on peut aller les voir jusqu'à vendredi au Complexe Bell de Brossard. C'est vrai qu'en Espagne, il y a des bons joueurs et des bons entraîneurs de soccer quand même. Vraiment. François, il faut parler de NASCAR. Ça fait longtemps qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais dimanche dernier, t'es présenté le Arons 499. T'sais, ils sont trop chers pour en faire 500 000. Oui. Donc, c'est la 11e course de la série Sprint. En direct, c'était à Talladega, ça, en Alabama. Donc, Danny Hamlin a devancé Kevin Harvick au dernier tour pour remporter sa première victoire de la saison. Ouais. Greg Biffle et Clint Bowyer, deux très, très bien connus dans leur famille, ont terminé deuxième et troisième, reléguant Kevin Harvick à la septième place. François, c'est extraordinaire. Ouais, donc, au classement des pilotes, Jeff Gordon est premier, Matt Kenseth est deuxième, Kyle Busch est troisième, Dale Earnhardt Jr. est quatrième et Carl Edwards est cinquième. Et la prochaine course, très important, c'est pas dimanche, c'est ce samedi, à 19h30, il risque d'y avoir du hockey, oui. C'est le 5-Hour Energy 400. C'est ça. Et tabarouette, tu m'y es-tu? Le 5-Hour Energy 400 Benefiting Special Operations Warrior Foundation. On pourrait appeler ça le 5-HE400 BSOWF. Ce serait moins compliqué. C'est en direct de Kansas City au Kansas City. Une chose est sûre, samedi 19h30, tu vas être devant ton téléviseur pour le NASCAR. Non, parce que si le Canadien joue samedi, ce ne sera pas samedi en après-midi, ça risque d'être samedi soir. Je pensais que NASCAR passait avant. Non, non. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye-bye.